Ok. Oui, oui, tu peux. On se laisse guider. On peut se tutoyer, les frères et sœurs. Il y en a tout le monde. Quand tu l'as demandé s'il y a personne qui a été guérie, je n'ai pas voulu me lever. Mais pendant que tout le monde témoignait, je sentais encore quelque chose qui est en train de monter, il fallait le faire. Ben, je voulais partager avec vous qu'en 1996, j'ai été opérée des oreilles parce que j'ai fait une otite depuis plus petite qui n'a jamais été soignée. Donc l'otite que j'avais eue, elle est devenue comme une maladie. Parce que quand j'étais hospitalisée, et puis à peine que je bouge de la tête comme ça, j'ai le vertige, je tombe par terre. Donc j'ai été opérée. Et puis en 2014, de nouveau, j'ai été encore opérée parce que la maladie que j'ai eue en 1996, il restait encore un tout petit peu sur l'os. Donc ça fait qu'avec cette maladie-là, elle a bouffé l'os. Mais quand elle a bouffé l'os, c'est le fait de toucher à mes oreilles avec le coton-tige, ça a pété une veine. Et puis j'ai perdu beaucoup de sang pendant que je saignais. Et puis hier soir, le frère il a demandé qu'il y a Kilpak. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui a un problème à l'oreille droite. L'oreille droite, tu as un problème. Le Seigneur l'ouvre. Oui, je veux l'oreille droite. Tu entends mal. C'est qui? Oui. Au nom de Jésus, c'est toi? Oui. Hein? J'ai été opéré, j'ai fait une opération, j'étais sourd. Bien. Yeah. On attend le Seigneur pour elle. Ah, bon, bon, waouh. Waouh. Le médecin, il a dit, il n'y a plus de tampons. Il a dit qu'il n'y a plus de tampons, tout ça. Oui. En 86, j'ai été opérée, et puis en 2014, de nouveau. Là, tu entends ou pas? Non. Il faut que je bouge mes oreilles. Vous pensez que Dieu peut guérir son oreille, là? Alléluia! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Ouvre-toi! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Jésus est Seigneur, hein? Il est Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia! Oh, Jesus Christ! Papa? Papa? C'est bien ça? C'est ça. Oh! Oh, vous voyez ce que Dieu fait? Il y a d'autres bientôt, pardon. Quand on est venu là en voiture, ma maman, elle me fait maman, parce qu'elle m'appelle maman, elle ne se rappelle plus mon prénom, donc elle m'appelle souvent maman. Et elle me dit, maman, comment ça va tes oreilles? Est-ce que tu entends maintenant? Alors j'ai essayé de boucher mes oreilles là, la gauche, là où j'entends. Et elle veut parler, je lui répondais. Et elle me dit, maman, comment ça va tes oreilles? J'ai dit, ben ça va. Tu entends maintenant? J'ai dit, oui, ben j'entends puisque tu me parles là. La gauche, elle est touchée. Dieu m'a guéri, il m'a donné de nouveau, je ne sais pas comment on dit, Louis. Ouais, ouais. Voilà, Louis, il est désolé. Wow, voilà. Wow. Merci Seigneur, que Dieu soit élevé. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Seigneur, bénis.